OK, alors vous voyez ici le tableau de tout ce qu'on doit étudier si on veut connaître les règles de conformité fiscale, le calcul du revenu, le calcul du revenu imposable, le calcul de l'impôt. Donc, du revenu d'emploi, c'est réglé depuis fiscalité 1. Ça fait longtemps qu'on a traité ça. Du revenu d'entreprise, c'est réglé. J'espère que tout le monde sait calculer. Personne ne va me dire, c'est quoi ce dont le revenu d'entreprise? Ça fait des heures qu'on passe sur le sujet 1. Calcul du revenu d'entreprise, calcul du revenu de bien, c'est réglé. Les autres sources de revenus, on a vu ça en fiscalité 1 aussi, les revenus REER, les revenus de retraités, pension alimentaire, les revenus de CSST, des choses comme ça. Les déductions, on les a vues en fiscalité 1 aussi, déductions pour frais de garde d'enfants, cotisations REER, pension alimentaire payée, frais de déménagement. Des pertes d'emploi, ça se peut pas. Les pertes d'entreprise, c'est le contraire du revenu d'entreprise. Donc, si vous faites une conciliation et qu'à la sortie de la conciliation, vous obtenez un chiffre négatif, mais ce n'est pas du revenu d'entreprise, c'est une perte d'entreprise. Donc, vous voyez que tout est pas mal fait. Il nous reste donc à traiter le fameux gain capital. Donc, c'est sur quoi on va s'attarder. 3B, les gains capital moins les pertes en capital, ben, les gains capital imposables plutôt, là, GCI moins PCD, pertes en capital déductible. Ça. Vous allez me dire, c'est pas bien compliqué, là. Les gains capital, je fais fois 50 %. Les pertes en capital, je fais fois 50 %. Puis j'y mets un contre l'autre. Mais pourtant, on va passer deux semaines complètes là-dessus. Fait qu'il y a plus à dire que ça. Voyons-le de plus proche. Donc, si on regarde de plus près ce qui va à 3B, entre autres, il y a certains gains capital qui sont traités séparément parce qu'ils sont réalisés sur des biens meubles déterminés. Il y a certaines pertes en capital qui sont traitées aussi différemment parce qu'on juge qu'elles se qualifient de PDTPE, pertes déductibles au titre de placement d'entreprise, dans quel cas on doit les déplacer vers 3D. Ça doit vous rappeler des choses qu'on a discutées en fiscalité 1. On va tout traiter de ça là, dans le présent sujet. Donc, rapidement, je vous rappelle les termes. Là, quand on fait un calcul de gain en capital, quand on fait un calcul de gain capital ou de perte en capital, on considère le produit de disposition et le prix de base réajusté. Vous avez les définitions ici. Donc, je pense que vous le savez. Le produit de disposition, c'est le prix que tu as vendu un bien, puis son PBR, prix de base réajusté, c'est son prix, le prix que tu l'avais payé, le coût d'acquisition. Et tous ces montants-là doivent être fractionnés par 50 %, parce que c'est important qu'on, nous, on doit trouver le gain en capital imposable. Il faut trouver la perte en capital déductible et la perte déductible au titre de placement d'entreprise. Donc, il faut appliquer un facteur de 50 % sur tous ces résultats-là. Partout, partout en impôt, les gains et les pertes doivent toujours, toujours être fractionnés par 50 %. Et il n'y a pas d'exception à ça, là. Jamais un gain, on va dire qu'il est imposable à 100 %. Jamais. Impossible. Donc, on doit tout fractionner par 50 %. Des fois, à l'examen, vous l'oubliez. Toute la démarche est bonne, puis il manque le fois 50 % à la fin. Puis là, vous êtes tout déçu parce que vous avez perdu beaucoup de points, mais si tu imposes le double de ce que tu dois imposer, ce n'est pas négligeable, là. La réalité, c'est qu'on impose la moitié de. Donc, il faut se rendre jusqu'à la fin du calcul en appliquant ce 50 %. Donc, encore une fois, ça, c'est l'alinéa 3B de vue de plus près. Donc, je vous rappelle qu'ici, on met tous les gains en. Je n'écrirai pas en vert. Donc, je vous rappelle ici qu'on met tous les gains en capital imposable qui sont réalisés sur des biens meubles déterminés, moins les pertes en capital déductibles qui sont réalisées sur des biens meubles déterminés. Vous retournerez voir la définition de BMD au besoin, mais en fiscalité 1, le tome 3, sujet 3, pardon. Mais je vous rappelle que c'était quand le fait de vendre des collections de tableaux, collections de thèmes, collections de bijoux, œuvres d'art, c'était ce genre de biens-là, des biens meubles déterminés. Et c'est très important que les gains et les pertes soient confrontés ici, soient confrontés dans la même boîte parce qu'on ne veut pas qu'une perte sur BMD, rappelez-vous, on ne veut pas qu'une perte sur BMD puisse s'appliquer contre du gain qui serait sur autre chose que BMD. Donc, pour s'assurer que les pertes sur BMD ne s'appliquent pas contre les gains autres, ben on les isole dans une boîte distincte. Au niveau des pertes, la particularité, je vous rappelle, c'est que certaines pertes qui se qualifient de PDTPE seront déplacées vers 3B. Donc, si je vous illustre ça autrement au niveau des pertes, dans le fond, on a ici l'ensemble des pertes en capital déductibles qui vont dans cette boîte-là.
Et le but, c'est de trouver certaines d'entre elles qui se qualifieraient de PDTPE. Les critères, on va les voir. Et quand on a trouvé ce sous-ensemble-là, on doit l'extraire de 3B pour l'envoyer vers 3D. Si on met des chiffres, admettons que dans une année, vous faites 3 pertes de 10 $ chacune, 10, 10 et 10. La dernière se qualifie de PDTPE, seulement la dernière, pas les deux premières. Bien, dans la première boîte, vous allez mettre toutes les pertes en capital sans exception, 30. Et dans la deuxième boîte, vous allez retrancher de ces 30-là combien se qualifie de PDTPE. Donc, vous allez en retrancher 10. Donc, il va rester 20 ici, dans la section 3B. Celles qui ne se qualifient pas de PDTPE, ce sont celles qui vont rester. Donc, si je vous remonte ça sur le petit tableau, ici où il y avait de la. Si on met ces chiffres, c'est les mêmes boîtes, mais présentées autrement. Dans cette boîte-là, ici, on met 30. De ce 30-là, on retranche celles qui se qualifient de PDTPE, 10. Donc, il va rester 20. Le 10 qu'on vient de retrancher, il va où? Il ne disparaît pas, il se déplace. Donc, vous suivez la flèche. Le 10 va venir se déduire ici, à 3D. Donc, à 3D, la perte en capital qui se qualifie de PDTPE va s'en aller déductible à 3D contre toute source de revenus. On va tout voir les détails de ça, mais je voulais vous rappeler la structure de l'alinéa 3B avec ces nuances-là. OK, donc voici la règle générale en matière de calcul de gain capital. Donc, le calcul du gain capital, il se fait avec 5 éléments. D'accord? Vous aviez jusqu'à présent l'habitude de toujours faire un calcul de gain capital avec 2 chiffres. Dans votre tête, c'était assez simple, puis c'était correct aussi. Vous disiez, un gain capital, c'est pas compliqué, produit de disposition, moins PBR, fois 50 %. Bien, c'est plus ça. Ça, c'était la version light. En fiscalité 1, ça allait, mais en fiscalité 2, ça peut plus être ça. Un calcul de gain capital, à partir de maintenant, il y a toujours 5 éléments à considérer. Plus vite vous allez vous habituer à faire un calcul avec 5 éléments, plus ça va être payant à l'examen. Dans le sens qu'il ne faut pas en oublier. Bien sûr, les 2 premiers éléments sont faciles. Il y aura quand même des nuances, mais les 2 premiers éléments, vous les reconnaissez. Donc, produit de disposition moins prix de base réajusté, effectivement. De ça, il va falloir aussi retrancher tous les frais reliés à la disposition. Et ensuite de ça, s'ajoute un jeu de provision. On peut retrancher une provision pour gain capital. Dans certaines circonstances, et on doit réinclure la provision pour gain capital l'année suivante. Donc, celle de l'année précédente doit être réinclue dans votre année courante. Donc, ils sont là, vos 5 éléments, on va les traiter un par un. Quand vous avez fait votre calcul à 5 éléments, vous obtenez votre gain, votre perte, vous fractionnez par 50 % et vous envoyez dans la bonne boîte. Produit de disposition. Donc, je vais les prendre un par un. Y a-t-il quelque chose à rajouter sur le produit de disposition? Non, je pense que vous savez c'est quoi. Là, c'est le prix qu'on vend à un bien. Pas vraiment d'autres choses à vous dire là-dessus. Le prix de base réajusté. On va aller voir, il y a quelques nuances à discuter sur le prix de base réajusté. On les retrouve à 3.1. Donc, le prix de base réajusté, je vous l'ai dit, c'est le prix d'origine, donc le prix d'acquisition d'un bien. Petite note en bas de page ici, 262. Inclut les frais reliés à l'acquisition. Donc, tous les frais que l'on paye lorsqu'on fait une acquisition d'immobilisation doivent être inclus dans le PBR. Donc, si vous achetez des actions 100 pièces à la bourse, puis ça vous coûte 15 pièces de frais de courtage, votre PBR il est de 115. Tous les frais reliés à l'achat, donc tout ce qu'on doit débourser en plus lorsqu'on fait notre achat, frais de commission, frais de courtage, frais juridiques. Vous achetez une maison, vous passez chez le notaire. Les frais de notaire, oum, dans le PBR de la maison. Tous les frais qui sont obligatoires, qu'on doit payer lorsqu'on achète un bien, doivent être inclus dans ce fameux PBR. Dans quelques circonstances, le PBR va bouger. Il y a certains éléments qui augmentent un PBR, des ajouts, puis il y a certains éléments qui diminuent un PBR, des retranchements. On va prendre le temps de les regarder. Honnêtement, ça n'arrive pas souvent. C'est des contextes très précis. Donc, lorsque ces contextes-là ne s'appliquent pas, ben, le PBR ne bouge pas puis il reste toujours égal au coût d'origine. Voyons voir, par exemple, quels sont les contextes qui feraient qu'un PBR pourrait augmenter.
Donc, première situation où un PBR pourrait augmenter, c'est le PBR d'un terrain vacant. Donc, un terrain qui est acquis puis qui n'est pas générateur de revenus. Je vous rappelle que si vous détenez un terrain comme ça et que vous payez des intérêts sur emprunt et des impôts fonciers, les intérêts et impôts ne sont pas déductibles lorsqu'ils sont acquis, lorsqu'ils sont payés, pardon, par rapport à un terrain qui n'est pas générateur de revenus. La loi de l'impôt vous dit que les intérêts et impôts, vous ne les déduisez pas, parce que le terrain ne sert à rien, finalement, ne sert à générer aucun revenu. Mais ces dépenses-là, qui sont non déductibles, on vous demande de les capitaliser au coût du terrain, entre guillemets. Donc, traduction en mot fiscal, ça veut dire que ces dépenses-là, qui sont non déductibles, viennent s'ajouter au PBR du terrain. Donc, si on regarde des chiffres, vous achetez un terrain 350 000 $ il ne sert à rien, il n'y a pas de bâtisse dessus, il n'y a pas d'immeuble, vous ne le louez pas, il ne sert à rien. Et pendant une couple d'années, vous payez impôt foncier, taxe municipale pour un total de 5 000. Mais je vous annonce que votre 5 000 $ il n'est pas déductible. Ça, c'est une règle qu'on avait déjà vue. Arrive le temps où vous vendez votre terrain, vous le vendez 400 000. Quel est son PBR? Prix payé 350 plus les 5 000 de dépenses qui ont été refusées en déduction. Donc, vous avez un PBR de 355 000. 350 plus 5. Donc, le 5 000 est venu s'ajouter au PBR, correspondant aux intérêts et impôts fonciers qui ont été payés et non déductibles. Ça va? Autre contexte, vient augmenter le PBR d'une action. L'avantage imposable l'avantage imposable qui a été calculé en fonction de je repense autrement, je vais vous souligner des bons termes. Si vous achetez des actions par le biais d'options d'achat d'actions, il est possible que vous ayez un avantage imposable. On l'avait vu sur la fiscalité 1. Et le montant de l'avantage imposable en question vient lui aussi augmenter le PBR de vos actions acquises. Je vais vous rappeler le contexte, parce que c'est loin un petit peu. En fiscalité 1, on avait vu ça dans le calcul du revenu d'emploi. Un employeur peut décider de rémunérer son employé en lui donnant des options d'achat d'actions, entre autres. Fait que si mon employeur me dit « Tiens, Nicolas, je te donne des options d'achat d'actions », je vous rappelle que ça, c'est un bout de papier qui me permet à moi, l'employé, de m'acheter des actions de l'employeur à un prix moins élevé que la valeur au marché. Donc, je risque de m'enrichir grâce à ce bout de papier-là. Effectivement, une fois que j'exerce les options et que je m'achète des actions à moindre prix, je me suis enrichi. Mais ça, c'est du revenu d'emploi. Donc, en fiscalité, on a vu comment quantifier cet avantage imposable-là et je dois le mettre dans mon revenu d'emploi. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu puis que je ne contredis pas aujourd'hui. Ce montant-là que j'ai inclus dans mon revenu d'emploi, il va venir aussi s'ajouter au PBR de mes actions. Donc, laissez-moi vous montrer ça avec des chiffres. Zéro, 500, 800, et je vends les actions, je pense, 1000. C'est ce qui se passe. Donc, prenez l'exemple de quelqu'un qui s'est fait offrir des options d'achat d'actions qui lui permettent d'acheter les actions à un coût de 500 $ alors qu'elles ont une juste valeur marchande de 800 $ Donc, moi, l'employé, je peux m'acheter des actions 500 $ grâce à mes options alors que sur le marché, il en valent 800. C'est mon employeur qui m'a donné ce bout de papier-là. Tout le monde voit mon enrichissement ici. Tout le monde voit que j'ai économisé 300 $ Et ce 300 $-là va être inclus dans mon revenu d'emploi. Ça, c'est du fiscalité 1, ça, je ne reviens pas là-dessus. Mes actions que j'ai achetées grâce à mon... Maintenant, je suis propriétaire d'actions. Mon option, je ne l'ai plus, là. Mon fameux bout de papier, là, quand j'ai dit merci boss pour le bout de papier, là, je ne l'ai plus parce que je me suis acheté des actions. Ces actions-là, maintenant, que j'ai payé moi 500 $ je vais les revendre 1000. D'accord? Combien de gains capital vous pensez que je devrais faire? Logiquement. Moi, personnellement, je m'attendrais à faire 200 $ de gains capital. Parce qu'entre 500 et 800, cela a déjà été imposé sous forme de revenu d'emploi. Moi, je pense qu'entre 800 et 1000,
il y a un 200 $ là qui devrait être du gain capital. Mais pour arriver à ça, produit de disposition 1000, je ne peux pas avoir un PBR de 500 $, qui est le prix payé pour mes actions. On va rajouter à mon PBR le 300 $ d'avantage imposable qu'on m'a fait subir. Donc, mon PBR d'action, c'est la somme des prix de 500 $ que j'ai payé pour acheter ces actions-là, plus le 300 $ d'avantage imposable que j'ai subi, ce qui m'amène à un PBR de 800. Et effectivement, j'aurai un gain capital seulement de 200 $. Donc, cet ajustement-là au PBR, il est nécessaire. Si on ne faisait pas cet ajustement-là, il y aurait de la double imposition. Si on travaillait avec un PBR de 500 $ puis qu'on imposait dans cette transaction-là 1000 moins 500, 500 $ de gain capital, il y aurait de la double imposition. Toute la zone ici, là, entre 500 et 800, serait double imposée. Donc, pour éviter ça, on ajuste au PBR des actions. On augmente le PBR des actions d'un montant équivalent à l'avantage imposable. Autre contexte, celui des pertes apparentes. On appelle une perte apparente une perte en capital que je fais en vendant un bien à mon conjoint. Quand je vends un bien à mon conjoint, si je fais une perte en capital, on me la refuse. On ne peut pas faire une perte en capital en vendant un bien à un conjoint. On va la voir, cette règle-là, en temps et lieu. Ça s'appelle une perte apparente. Et le montant de cette perte-là n'est pas perdu pour autant ou ne disparaît pas pour autant, il vient augmenter le PBR du bien qui est acquis. Donc, dans mon exemple, imaginez que je vends un bien à ma femme, à ma conjointe, puis je fais une perte. Donc, je lui vends un bien, je fais une perte en capital de 50 $. Ce 50 $-là de perte, c'est ça qu'on appelle une perte apparente, et c'est non, on ne me l'accepte pas. On ne me l'accordera pas en perte en capital parce que j'ai vendu à ma femme. Il a fallu que je vende à quelqu'un d'autre. Cependant, cette perte-là de 50 $ n'est pas perdue. Elle vient s'ajouter au PBR des actions qui sont maintenant détenues par ma femme. Donc, ma femme qui vient de s'acheter des actions pour 200 $, moi, je viens de lui vendre 200 $, vous le voyez ici. Donc, ma femme qui vient de s'acheter des actions pour 200 $ va voir son PBR augmenter de 50 $. Fait que ma femme a des actions qui ont un PBR de 250 $, soit 200 $ le prix qu'elle les a payés, plus le 50 $ de perte qu'on m'a refusé. Les deux mis ensemble deviennent le PBR des actions pour ma femme, qui, elle, le comparera à son produit de disposition. Dernier contexte, celui des sociétés de personnes. On devra faire un ajustement aussi au PBR d'une part dans une société de personnes. Donc, la part des revenus dans une société de personnes doit être ajoutée au PBR de la participation. Je vais vous expliquer, encore une fois. Dans notre exemple, on a un contribuable qui est un associé dans une société de personnes, donc qui détient des parts et qui achète une part pour 5 000 $. Donc, si on a M. X ici, qui a investi 5 000 $ dans une société de personnes. Donc, on dit que sa part a un PBR. Une part, c'est pas un synonyme, là, mais c'est un peu l'équivalent d'action. On ne peut pas appeler ça des actions parce qu'on n'est pas en présence d'une bébite qui émet des actions. On est en présence d'une société de personnes. Donc, on va appeler ça une part ou une participation et il y a un PBR égal au prix payé. J'imagine qu'il y a un autre associé là, à côté parce qu'il faut au moins être deux dans une société de personnes. Donc, dans la première année, imaginez que ma société de personnes fait un revenu d'entreprise total de 100 000 $. Bon, premièrement, les sociétés de personnes, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on a dit ce qu'il fallait savoir. Est-ce que vous vous rappelez de la particularité au niveau de comment on impose les sociétés de personnes? Est-ce qu'une société de personnes doit faire son propre rapport d'impôt puis payer ses propres impôts sur son revenu d'entreprise de 100 000 $? Non. La société de personnes ne fait pas de rapport d'impôt puis ne paye pas ses impôts. Elle va envoyer les inclusions dans les rapports d'impôt des associés. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fin d'année? Chaque associé, M. X, dans son cas, si je prends son rapport d'impôt, une partie du revenu d'entreprise, la moitié, va s'en aller dans le rapport d'impôt personnel de M. X. Donc, M. X va rajouter à même ses autres revenus un plus 50 000 qui provient de sa société de personnes. Même chose de l'autre côté, évidemment. Donc, M. X va s'imposer dessus. Imaginez que le lendemain,
de cette première anniversaire d'opération. Le lendemain, M. X vend sa part. Quel prix il la vend? Je ne veux pas faire une analyse bien, bien complète là-dessus, là, mais combien ça vaut une société de personnes qui a un an d'exercice, qui a un an d'opération, dans lesquelles on avait injecté 10 000 au début, 5 000, chaque associé avait injecté 5 000, et qui a fait 100 000 de profit dans sa première année. Fait que la société de personnes vaut à peu près 110 000, à peu près. Fait que si tu vends une part de 50 % là-dedans, mais ça doit valoir à peu près 55 000. C'est pas parfait comme calcul, là, mais... Ah, dans ce cas-ci, il la vendait... Non, c'était pas tout à fait ça, mes chiffres, c'était plus 200 000. J'essaie de balancer avec mon exemple. C'était plus 200 ici. Chaque associé se voyait imposé sur 100 000. Donc, même chose de l'autre côté. Donc, la société vaut à peu près 210 000. Donc, si on vend notre part, la moitié, 105 000, quel est le PBR de notre part, l'associé 1? Bien, son PBR original, il est de 5 000. Sauf que l'ajout qu'on doit faire, c'est le suivant. On dit tous les revenus qui sont imposés et qui proviennent d'une société de personnes vont venir tout de suite après augmenter le PBR de ta part. Donc, ta part va monter à 105 000 $ de PBR. Si tu ne fais pas cet ajustement-là et que la journée où je vends ma part, je m'impose sur 105 moins 100, 100 000 de gain capital, ça fait beaucoup pour M. X. M. X va vous dire, excuse-moi, mais hier, je me suis imposé sur 100 000 de revenus d'entreprise, hier. Aujourd'hui, je vends ma part, puis tu m'imposes sur 100 000 de gains capital. C'est-tu le même qu'on est en train d'imposer deux fois? Oui. Si, donc, une fois qu'on a imposé un associé sur les revenus de la société de personnes, il faut venir augmenter le PBR de sa part pour ne pas le voir encore être imposé tantôt sous forme de gains capital. Donc ça, c'est vrai à chaque année. Chaque année, un PBR d'une part comme ça, dans une société de personnes, ça bouge. Soit à la hausse, soit à la baisse. Parce qu'il existe le contraire, les retranchements ici. Quand une société de personnes fait une perte, elle envoie la perte à l'associé et le PBR de la part, dans ce cas-ci, diminue. C'est vrai dans les deux sens. Donc voilà des situations où un PBR d'un bien va bouger. Je le répète, ce n'est pas très fréquent. C'est des contextes, somme toute, rares, mais qui peuvent quand même arriver. Donc, quand on est devant ces contextes-là, il faut savoir que le PBR du bien va être augmenté ou la plupart du temps va subir un ajout. Est-ce qu'il y a des questions sur les différents mouvements de PBR? Je prendrai le temps de regarder ça comme il faut. J'ai vu 4 ou 5 contextes, on les retient sur notre feuille d'annotation, puis... Sinon, le PBR, ça se résume au prix payé, à l'origine. Good, on continue alors. Toujours dans la notion de PBR, je vous laisse regarder ça ici. C'est tout simplement quand on achète des obligations sur la bourse, parfois on achète une obligation à escompte. Acheter à escompte, ça veut dire que ton obligation, tu vas la payer moins cher que sa valeur nominale. Donc, ton PBR, si tu achètes une obligation de 980, ton PBR va être de 980. Il existe le contraire, des situations où on achète une obligation à prime. À prime veut dire plus cher que sa valeur nominale. Donc, dans ce cas-là, ton PBR va être le prix que tu as payé. Et la plupart du... Si on conserve nos obligations jusqu'à échéance, on va se les faire racheter pour 1000. Donc, dans le premier cas, on va faire du gain capital. C'est parce qu'on a acheté l'obligation 980. Si on la garde jusqu'à échéance et qu'on nous redonne 1000 $, on fera 20 piastres de gain. Puis, dans le cas inverse, si on l'achète 1030 puis qu'on récupère 1000 à la sortie, on fera une perte en capital de 30. Ça, je vous rappelle que c'est les marchés qui dictent ça, puis c'est fonction des taux d'intérêt. Tu vas acheter une obligation à escompte quand son taux d'intérêt est mauvais. Quand une obligation comporte un taux d'intérêt tellement bas qu'il n'y a aucun investisseur qui la voudrait, bien, le vendeur va baisser le prix. Il va la vendre à escompte. Il va baisser le prix pour attirer un investisseur à acheter ton obligation qui est archi mauvaise. Puis à l'inverse, quand le taux d'obligation est supérieur au marché, imaginez que moi, j'ai une vieille obligation émise par Hydro-Québec dans les années 80. Une obligation d'une durée de 30 ans, là, puis on arrive à échéance bientôt. C'était quoi les taux que Hydro-Québec payait sur ses obligations au début des années 80? Vous ne savez pas, parlez-en à vos parents.
C'était quoi les taux d'hypothèque dans ce temps-là? C'était quoi les taux d'intérêt dans ce temps-là? C'était du 18-19 %. Fait que j'ai peut-être dans mes mains une obligation, un dinosaure, vous me direz, mais qui est encore valide, qui rapporte 18 % d'intérêt par année, parce que c'était ça le taux à l'époque lorsqu'elle a été émise. Fait que moi, j'ai ça, ça vaut une fortune aujourd'hui. On n'est plus capable de trouver ça sur les marchés. C'est un bijou, cette chose-là. Donc, il n'est pas surprenant que si je la vende, je demande pas mal plus que 1000 piastres. Si quelqu'un veut ça, là, il est mieux de sortir son portefeuille. Je vais peut-être lui vendre. On va négocier, puis peut-être que je vais te la vendre 1030. Puis toi, ça te dérangera peut-être pas de perdre 30 piastres en récupérant seulement 1000, tellement ton rendement va être bon pendant cette période-là. Fait que si tout est question de taux d'intérêt, là, c'est pas mal. Moi, je vous parle de l'aspect fiscal, mais juste pour que vous compreniez comment ces choses-là arrivent. C'est les marchés qui dictent parfois que des obligations doivent être vendues soit à escompte, soit à prime. Autre particularité au niveau du PBR, je ne suis toujours pas sorti de mon fameux PBR, les biens identiques. Un mot sur des biens identiques. Des biens identiques, ça, c'est comme son nom l'indique, c'est le fait de détenir plusieurs biens tout à fait similaires. Donc, prenons l'exemple de. J'ai des actions de ABC. Des actions d'ABC, j'en ai 650. L'affaire, c'est que je les ai achetées à trois moments différents, mes actions. Une première fois, j'ai acheté 300 actions à 10 $ l'action. J'ai acheté un autre bloc de 200 actions à 11,25. Puis j'ai acheté, pardon, un troisième bloc de 150 actions à 12,50. Donc, j'ai 650 actions en main. J'en vends 100. Vous pouvez me dire lesquelles de mes 650 je viens de vendre? Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que c'est moi qui peux dire, bon, d'après moi, j'en ai vendu 100 qui m'avaient coûté à l'époque 10 ou qui m'avaient coûté à l'époque 11 ou qui m'avaient coûté à l'époque 12? Est-ce que c'est moi qui choisis dans mon portefeuille de biens identiques lesquels je viens de vendre? Est-ce que c'est comme dans le réfrigérateur, premier entrée, premier sortie? Ni un ni l'autre. Il faut que tu fasses une moyenne. Donc, quand tu as des biens identiques, chacun perd son PBR original. Donc, le 10 $ ici disparaît. Le 11,25 disparaît, puis le 12,50 disparaît, et tu fais une grosse moyenne. Ça va donner 11,17. Donc, tes 650 actions ont toutes, le même PBR moyen de 11,17. Donc, quand tu vas vendre 100 actions, casse-toi pas la tête, c'est 100 actions à 11,17 de coûtant. Tu vas utiliser un PBR de 11,17 pour toutes tes actions. C'est bon? Pardon. Voilà pour le prix de base réajusté. Donc, je vais tout le temps revenir à ce tableau-là parce que je suis en train d'expliquer les cinq éléments qui affectent un calcul de gain capital. Donc, prix de base réajusté, c'est le coût d'origine. Attention, il y a certains ajouts parfois, certains retranchements dans des contextes bien précis. Attention aux biens identiques aussi où il faut faire une moyenne du PBR. Troisième élément, il faut retrancher les dépenses reliées à la disposition. Tantôt, je vous ai parlé, avec une note de bas de page en rose, des dépenses reliées à l'acquisition. Quand tu fais des dépenses reliées à ton acquisition, tu dois les mettre, ces dépenses-là, dans ton PBR, mais il y a aussi des dépenses qui sont engendrées lors de la disposition. Donc, eux aussi sont considérés en moins dans le calcul du gain capital. Donc, lorsque tu es vendeur et que tu vends un bien, tu peux aussi payer des frais de commission, des frais de courtage, des frais juridiques, des frais de publicité. Vous vendez un bien, vous le mettez dans le journal, ça vous coûte 300 pièces de publicité. Mettez ça en moins dans votre calcul de gain capital. Sur les packs, tout ça, donc tous les frais de publicité. Si vous payez des taxes de transfert, vous vendez un immeuble, vous êtes obligé de payer une taxe parce qu'il y a un nouvel acheteur qui arrive. Tout ce que vous devez payer puis qui est relié à la vente. Viennent en moins dans le calcul du gain capital. Donc, c'est le parallèle des frais dont on parlait tout à l'heure qui étaient reliés à l'achat. Là, on parle des frais qui sont reliés à la vente. L'esprit est le même. Dans tous les cas, ça vient réduire le calcul du gain capital. Finalement, dernier élément, les provisions. Il y a un jeu de provisions qui peut venir amoindrir le calcul du gain capital et l'amoindrir, oui, le calcul du gain capital dans certaines circonstances. 3.2. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi pourquoi on appelle quelque chose une provision en fiscalité? À quoi sert ce mot-là? Ça peut être utile des fois, là, quand on voit ce mot-là, ça nous rappelle
Ça peut peut-être nous rappeler quelque chose. Une provision, c'est une dépense, c'est une déduction inventée par le législateur. C'est une vue de l'esprit, c'est une invention de la loi de l'impôt. Tu ne reçois pas une facture par la poste, tu ne t'appauvris pas pour vrai, on invente quelque chose pour te permettre d'amoindrir ton gain capital. Donc ici, on va te permettre de, pas tout à fait amoindrir, mais plutôt décaler ton imposition de gain capital. Lorsque une condition est rencontrée, c'est très simple, tu n'as pas encaissé la totalité de ton produit de disposition. Je veux juste que vous compreniez ça très simplement. Imaginez, avant qu'on parle de la provision, je vous dis, hey, moi, sais-tu quoi, j'ai vendu mon immeuble cette année. Je l'ai vendu 1 million de dollars, j'ai un PBR de 800 000 dollars. Fait que comme là, je vous dis, ça va, il va arriver quoi cette année? Bien là, vous allez dire, ben, il me semble que là, j'ai appris là, 1 million moins 800 000, ça fait un gain capital de 200 000, imposable à moitié, il va falloir que tu mettes 100 000 dans ton revenu. Je t'estime un impôt un peu là-dessus. Je vous simulez ça sur un logiciel quelconque. Vous dites, ben 100 000 de gain capital imposable, ça va vous coûter à peu près, M. Boivin, 40 000 piastres d'impôt. Cette année, je viens de le vendre, là. OK, mais je paye ça comment, moi, le 40 000 piastres? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le million que j'ai vendu mon immeuble, il ne m'est pas payé tout de suite. Avec l'acheteur, on s'est entendu que j'allais être payé sur 10 ans. Fait que je vais en encaisser un peu cette année, un peu l'année prochaine, un peu dans 3 ans, un peu dans 4 ans. Ça arrive souvent, ça, un vendeur qui encaisse son produit de disposition tranquillement. Quand ce contexte-là arrive, ça serait bête de lui imposer la totalité de son gain capital tout de suite, puis de devoir le faire payer son impôt tout de suite au complet, sachant très bien qu'il est possiblement incapable de le faire. Donc, c'est à ça qu'elle sert la provision pour gain capital. Le législateur est accommodant. On est accommodant. Puis, on permet de reporter, c'est du report, là, ça ne disparaîtra pas, de décaler le gain capital sur quelques années pour tenir compte du fait que tes encaissements sont étalés eux aussi sur un certain nombre d'années. Quand on prend une provision pour gain capital dans une année, donc quand on réduit le gain capital, disons en 2000X, le même montant doit être réinclus dans le gain capital l'année suivante. En 2000 Y. Puis là, en 2000 Y, je me repose encore la même question. Est-ce que j'ai encore droit à une provision? Si je n'ai pas tout encaissé la deuxième année, j'ai peut-être encore droit à une provision pour gain capital. Tu reprendras une autre provision pour gain capital l'année 2. Cette provision-là de l'année 2, tu vas la réinclure dans ton gain capital l'année 3. Puis repose-toi la question. Ainsi de suite. À chaque année, tu pourras possiblement profiter d'une provision pour gain capital tant et aussi longtemps que tu n'auras pas encaissé ton produit de disposition. Et ça va prendre fin au bout de 5 ans. Je vais vous montrer ça, évidemment, à l'aide d'un exemple. Juste avant, le calcul de la provision, c'est le moindre de deux choses. Donc, on fait deux calculs, deux petits calculs, puis on prend le moindre des deux, et c'est ce montant-là qu'on va venir mettre en moins dans mon calcul de gain capital. Le moindre de deux choses. Donc, premier élément, prends ton gain capital et multiplie-le par une certaine fraction. Au dénominateur, quel est ton produit de disposition total? Au numérateur, combien il te reste à recevoir à la fin de l'année de ce montant-là? Ça va vous donner un premier montant. Et ensuite, on le compare à un deuxième élément qui est 4 cinquièmes du gain capital. Ça, c'est bon pour l'année où on vend. L'année suivante, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième et la cinquième année, 0 cinquième, c'est terminé. Donc, la provision pour gain capital, elle va vous alléger, mais pour une durée maximum de 5 ans. Donc, si on regarde ça avec un exemple, ici, en 2015, je vends un bien 160 000, je l'avais payé 100 et j'ai des dépenses reliées à la disposition de 10 000. Donc, à l'œil, là, je m'enligne pour un gain capital de 50 000, 160 moins 100 moins 10. Voici le calendrier de mes encaissements. Avec mon acheteur, il est prévu que je vais encaisser mon 160 000 sur plusieurs années. Vous le voyez? Donc, 30 000 la première année, et ainsi de suite. Donc, je pense que j'ai encaissé ça sur à peu près 10 ans, si je ne me trompe pas. Voyons ce qui va se passer dans les rapports d'impôt de cette personne-là. Donc, vous avez les 5 premiers rapports d'impôt de la personne mis côte à côte. Donc, premièrement, en 2015, produit de disposition 160, PBR 100 000, dépenses reliées à la vente 10. Donc, vous retrouvez ici votre gain capital normal de 50 000 $. Et là, vous vous dites, est-ce que j'ai droit à une provision pour gain capital? Est-ce qu'on ne pourrait pas m'alléger un peu dû au fait que je n'ai pas encaissé tout mon produit de disposition? La réponse est oui. C'est pas plus compliqué. Dès que tu as
Dès que tu dis, dès que tu peux prouver que tu n'as pas encaissé tout ton produit de disposition, tu es éligible. Donc, la provision, c'est le moindre de deux choses. Je vous le rappelle. On va aller voir dans l'encadré en bas. Premier élément, prends ton gain capital de 50 000, multiplie-le par une fraction. Au dénominateur, le prix de vente total de 160. Et au numérateur, à la fin de la première année, combien il te reste à recevoir? Bien, si on se positionne à la fin de ma première année, j'ai encaissé 30. Donc, il me reste à recevoir 130. Donc, 130, 160e de mon gain, ça fait 40 000 piastres, 40 625, que je compare à 4 cinquièmes du gain capital, 40 000. Donc, le moindre des deux, c'est 40 000, qui va s'en venir ici en provision pour gain capital et qui va faire chuter mon gain capital à 10 000. Donc, 50 000 moins une provision de 40 000, mon gain capital de la première année chute à 10. Oui? Ça se ressemble. C'était, la logique est la même. C'était dans le monde du revenu d'entreprise au lieu d'être dans le monde du gain capital. La logique est tout à fait la même. L'explication est la même. Puis techniquement, je pense que c'était pas le moindre de deux choses. C'était juste ce calcul-là qui s'appliquait, il me semble. Mais c'était beaucoup de parallèles à faire. Bon, comme je vous disais, si on se transpose un an plus tard, en 2000 Y, là, j'ai rien vendu l'année suivante. J'ai pas de produit de disposition, j'ai pas de PBA, j'ai pas de dépenses reliées à la vente. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mon 40 000 que je me suis évité l'année passée devient un nouveau gain cette année. Donc, mon 40 000, j'ai 40 000 qui est la provision prise l'année passée qui devient un nouveau gain capital en 2000 Y. Là, je me pose la question, est-ce que je peux prendre une provision pour que, encore une fois, une nouvelle provision pour gain capital? La réponse est oui. Tant que tu n'as pas tout encaissé, la réponse est oui. Donc, on applique encore une fois le même calcul. Le moindre de deux choses, 50 000 fois au dénominateur ton produit de disposition et au numérateur, combien te reste-t-il à en recevoir? Donc, si on se transpose un an plus tard, j'ai encaissé mon 30, j'ai encaissé mon 40, donc j'ai encaissé 70. Il me reste donc 90 à recevoir. Donc, je peux provisionner 90 160e de mon gain, 28 125, ou 3 cinquièmes cette fois-ci du gain. Donc, le moindre des deux, c'est 28. Donc, plus 40 moins 28, je vais m'imposer sur un gain de 11, 875. Et ainsi de suite. Je ne le ferai pas 5 fois. C'est toujours comme ça. Puis comme je suis payé sur une très longue période, la provision va fonctionner longtemps. On va se transposer à la dernière année, à l'année 5, s'il vous plaît, 2000 BB. Donc, en 2000 BB, la première, donc, j'ai rien vendu, j'ai pas de produit de disposition, j'ai pas de PBR, j'ai pas de dépenses reliées à la vente. Qu'est-ce qui va arriver? Le 10 000 de provision pris l'année précédente devient un gain de 10 000 cette année. Et je me questionne, est-ce que je peux prendre encore une provision? Techniquement, la réponse est oui, mais ça va donner zéro, là, mais techniquement, tu as encore du produit de disposition à recevoir. Tu n'as pas tout encaissé, donc, techniquement, ça serait oui, mais je t'avertis que ça va donner zéro. Allons voir. Donc, le calcul usuel qui dit 50 000 fois une fraction au dénominateur, mon produit de disposition, au numérateur, combien il me reste à recevoir, ça donne 14 000. Mais on compare ça cette fois-ci à 0 cinquième. Donc, nécessairement, la cinquième année, c'était prévisible, ça va donner 0 de provision. Donc, 10 moins 0, je vais m'imposer sur 10. Donc, vous voyez les 5 gains en capital que j'ai mis en vert, 10, 11, 8, 10 et 10. Ça donne 50 000 tapant. Rien ne se perd, rien ne se crée avec une provision. Ce n'est que du déplacement. C'est beaucoup plus agréable pour un vendeur de s'imposer tranquillement sur du gain capital comme ça, à coût de 8, 9, 11 000 par année, que de subir le plein 50 000 l'année 1, pour la raison que je vous ai expliquée. Donc, avec cette mécanique de provision, on peut étaler le gain à peu près en fonction des encaissements, puis on ne peut pas se rendre plus loin que 5 ans. Si vous accompagnez quelqu'un qui vend une entreprise un jour ou qui vend un gros actif puis qui fait un gros gain capital, puis que vous accompagnez le vendeur, puis le vendeur vous dit « Moi, Nicolas, je projette accorder à mon acheteur un délai de paiement puis il va me payer sur 20 ans. » Qu'est-ce que tu me conseilles, Nicolas? Je sais pas, mais je veux juste te dire que ton impôt, tu ne l'étaleras pas sur 20 ans. Tu vas l'étaler sur 5 ans. La provision, elle ne peut pas t'aider plus que 5 ans. Fait qu'avant d'accepter de financer un acheteur sur des très longues périodes, il faut toujours bien que tu sois conscient, l'acheteur, qu'au bout de 5 ans, tout ton gain va être imposé. Il faut en être conscient de ça.
Est-ce qu'il y a des questions sur les cinq compositions du gain capital que je viens de voir avec vous? On vient de terminer par la mécanique des provisions. On retranche une provision pour gain capital, puis on la réinclut l'année suivante. Super. Alors, j'imagine que vous étiez bien préparé, c'est excellent. OK, maintenant, on va entamer une section qui s'appelle les situations particulières. Donc, on quitte le point 3 qui s'appelait des règles générales. Les règles générales, ça, comme son nom l'indique, c'est la façon de calculer du gain en capital ou de la perte en capital pour l'ensemble des dispositions. Quelques situations particulières qui méritent un traitement un peu particulier. La première, l'exemption pour résidence principale. Peut-être que vous la connaissiez, peut-être que vous en aviez déjà entendu parler. Il y a des mythes qui circulent à ce sujet-là qui sont en grande partie vrais. Donc, l'idée de dire que lorsque je vends la maison personnelle où la famille habite, si je fais du gain capital sur cette résidence-là, c'est exempté d'impôts, bien c'est vrai. Le législateur a mis en place une exemption qui a justement comme objectif qu'il n'y ait aucun impôt payable lorsque l'on vend, lorsqu'on fait un gain capital sur la résidence principale. Parfois c'est simple, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Pour la majorité du monde, ça va être simple, cette exemption-là, parce qu'elle est totale. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune contrainte. N'importe qui détient une seule résidence et qui la vend et qui fait un gain capital, va être la maison qu'il habite avec sa famille, là, il va être complètement exempté. Ouais, mais Nicolas, admettons que tu achètes une maison 100 000, tu en revends 500 000, tu ne peux pas croire que le 400 000 au complet va être exempté. Oui, il n'y a aucune limite. Je pourrais acheter un château à 2 millions, le revendre à 8 millions, je serais exempté au complet. Il n'y a pas de limite sur le montant. Ouais, mais Nicolas, admettons que tu achètes une maison, tu la revends au bout de 4 ans, tu fais un gain. Là, tu en achètes une nouvelle, tu l'habites 5 ans, tu fais un gain. Là, tu en achètes une nouvelle, tu l'habites 6 ans, tu la revends. Dans ta vie, tu fais 6 ventes de maison, les 6 fois tu fais du gain, tu peux pas croire que tu vas être exempté les 6 fois. Oui, il n'y a pas de limite non plus sur le nombre de fois. Pas de limite sur le montant. Pas de limite sur le nombre de fois, en autant que je l'aie habité pour vrai pendant cette période-là. Vous comprenez que pour la majorité du monde, c'est très simple, c'est complètement exempté. Les quelques personnes où ça va se complexifier un petit peu, font pas pitié, c'est les gens qui ont plus qu'une résidence. Si, durant les mêmes années, tu es propriétaire de plus d'une résidence, là, va falloir que tu fasses un choix. Va falloir que tu dises à l'impôt c'est laquelle ta résidence principale, parce que c'est elle qui va être exemptée. Donc, si tu as à la fois une maison en ville puis à la fois un chalet, puis que les deux prennent de la valeur, puis que les deux vont être vendus à profit, c'est pas vrai que tu vas pouvoir exempter les deux. Il va falloir que tu en choisisses une. On va voir comment faire ce choix-là, on va voir comment l'optimiser, mais c'est là que ça se compte, entre guillemets, là, que ça mérite d'être discuté, sinon le sujet serait déjà fini. Pour ceux qui ont une seule maison, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, pour les gens qui ont plusieurs maisons, il y aura des choix à faire. Donc, on regarde ça. C'est quoi une résidence principale? C'est une résidence qui est normalement habitée, donc c'est important que vous l'habitiez, ou bien votre conjoint ou un enfant l'habite. Bon, il ne faut pas qu'il soit loué, vous comprenez? On l'habite. Et il faut la désigner comme étant votre résidence principale. Désigner, ça veut dire qu'on la choisit. Tant que tu en as juste une, c'est facile de faire ton choix, comme j'expliquais. Quand tu en as plusieurs, ben là, ça devient. Il faut. On va voir des situations, comment on peut optimiser ça. Le calcul de l'exemption, vous l'avez ici, c'est encore une fois une règle de 3 assez simple. Donc, on prend ton gain capital sur la vente de ta maison et on le multiplie par une fraction. Au dénominateur, le nombre d'années où tu as été propriétaire de ta maison. Donc, admettons que je vends une maison sur la rue Cloutier. J'invente ça, là. Je l'ai depuis 20 ans. Donc, admettons que je fais un gain capital de 50 000. Donc, mon exemption, ça va être 50 000 fois une fraction. Au dénominateur, le nombre d'années où je suis propriétaire de cette maison-là, disons 20 ans. Au numérateur, une année gratuite plus. Le nombre, parmi ces 20 ans-là, pendant combien d'années choisis-tu cette maison-là comme étant ta résidence principale? Donc, je vais te poser une question 20 fois. Pour chacune de ces années-là, je vais te demander une question, réponds-moi. Donc, année 1, quand tu as acheté la maison, là, c'était la première année. Lesquelles désignes-tu comme étant ta résidence principale? Ben, tu vas me dire, la maison sur la rue Cloutier, j'ai juste celle-là.
OK. L'année 2, laquelle est ta résidence principale? Ben, celle de rue Cloutier, j'en ai pas d'autre. Année 3, tu vas me dire, finalement, tu vas me répondre 20 fois la même chose. Pour les 20 années, tu vas toujours me dire que cette maison-là est ta résidence principale, que tu la désignes comme telle. Évidemment, tu n'as pas d'autre choix. Donc, tu vas te ramasser avec un numérateur de 21. Ça ne donne rien d'avoir un numérateur de 21. Donc, ton exemption va être totale. 20 sur 20, ça fait 100% de 50 000. Donc, tu vas avoir droit à une exemption complète de 50 000 qui va complètement anéantir ton gain. L'année gratuite, dans ce cas-ci, n'a pas servi. Regardez la situation un petit peu différente ici. Là, j'ai deux résidences. En 2016, cette année, je vends une résidence en ville, une résidence que j'ai achetée en 89 pour 200 000, puis je la vends 256 000. Donc, vous voyez que je vais faire 56 000 de gains sur cette résidence-là. Je suis aussi propriétaire d'un chalet. Le chalet, je pense le vendre l'année prochaine. Mon chalet, je devrais le vendre à peu près 145 000. C'est la valeur des chalets ces temps-ci sur le bord du lac. Je l'avais payé 112. Donc là, je m'enligne à faire. Je suis propriétaire de deux maisons. Mes deux maisons vont faire du gain capital. Et là, je vais devoir choisir laquelle de mes résidences je désigne comme étant ma résidence principale pour l'exempter. Puis l'autre résidence ne pourra pas être exemptée au complet. On ne lira pas la petite bulle tout de suite, là. On va y aller à tâtons comment on pourrait résoudre cette situation-là. Le premier scénario que je vous propose, qui n'est pas optimal, mais je vous le propose pareil, on va dire, je ne sais pas si on va faire semblant que je ne le sais pas. On va dire que, bon, lequel devrait être ma résidence principale? Ma maison en vert ou mon chalet en rose? Disons la maison en vert. Je vais commencer comme ça. Donc, le premier scénario, c'est celui où je considère ma maison comme étant ma résidence principale. Donc, ma maison, lorsque je la vends, je fais un produit de vente de 256 000. PBR de 200, donc j'ai un gain capital de 56 000. Et là, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir exempter au complet ce gain-là. Allez voir le calcul de l'exemption juste en bas, ici dans l'encadré gris. 56 000 de gain sur ma maison, fois une fraction. C'est comme ça qu'on trouve mon exemption. Au dénominateur, combien d'années as-tu été propriétaire de cette maison-là? 28 ans. Croyez-moi, je l'ai compté sur mes doigts. Comptez de 89 à 2016. Comptez tous vos doigts, là, 89 jusqu'à 2016 inclus, là, les deux, et l'année de l'achat et l'année de la vente. Je les prends. Donc, ça fait 28 ans. Au numérateur, j'ai une année gratuite plus. Regarde, tes 28 années, là, elles sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Je vais te poser 28 fois la même question. Réponds-moi. En 1989, quand tu as acheté la maison, pour cette année-là, c'était laquelle ta résidence principale? Tu vas me dire cette maison-là. Parce que le chalet, tu ne l'avais pas encore. Le chalet, tu l'as acheté à quelle année? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? 2000... 2007, le chalet? Parfait. En 90, c'était laquelle ta résidence principale? Ben, tu vas me dire la maison. En 91, finalement, tu me réponds tout le temps la même affaire, jusqu'en 2016. En 2016, c'était laquelle ta résidence principale? Tu me réponds encore la maison. Les 28 années, tu m'as répondu la même affaire. Tu m'as toujours dit, la maison qu'on vient de vendre, la résidence, c'est ma rés je la considère comme étant ma résidence principale. Donc, 28 années de désignation de ta part. Donc, évidemment, avec un numérateur de 29, ce qui donne absolument rien, tu as une totale exemption de 56 000. Donc, comme vous pouvez voir en haut, 56 000 de gains moins 56 000 d'exemption, il n'y en aura pas de gain capital sur cette vente-là. Transposons-nous un an plus tard. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas vendre le chalet? Tu vas le vendre pour 145, tu l'avais payé 112, 33 000 de gains. Essaye de prendre ton exemption sur ton chalet maintenant. Qu'est-ce qui va arriver? Venez voir la petite note un peu plus basse ici. Toujours la même formule qu'on applique pour le chalet. Ton exemption, c'est ton gain fois une fraction. Au dénominateur, tu as été propriétaire du chalet 11 ans. Au numérateur, une année gratuite plus.
Je vais te poser 11 fois la même question. Réponds-moi. Le chalet qui a été acheté, rappelez en 2007? Ici. En 2007, quelle était ta résidence principale? Tu peux pas me dire chalet, tu viens de me dire résidence. C'est une résidence principale. Tu ne peux pas en désigner deux. Tu as déjà fait ton choix et tu m'as dit tantôt que c'était la résidence principale. Fait que tu ne peux pas me répondre chalet pour 87. 2007. 2008, c'est laquelle? Tu peux pas me dire chalet. 2009? Tu peux pas. 2016, c'est laquelle ta résidence principale? Tu m'as dit maison tantôt. Tu peux pas me dire chalet. Ben, 2017. 2017, c'est laquelle ta résidence principale? Là, tu peux me dire chalet, tu n'en as plus de maison en 2017. Fait qu'en 2017, tu vas désigner le chalet comme étant ta résidence principale. Une année de désignation. Donc, une exemption de 2 onzièmes du gain capital. Donc, 6 000 d'exemption et on s'impose sur 27 000 de gain capital. Est-ce que c'est le scénario optimal? Assurément pas. À l'œil, est-ce que vous voyez quelque chose qu'on pourrait améliorer facilement? Y a-t-il du gaspillage là-dedans? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Exact. Ici, là, c'est-tu nécessaire d'avoir 28 années de désignation sur la maison? 27, ça fera la même affaire, hein? Parce qu'il y a une année gratuite, puis je ne m'en sers pas. Donc, je n'ai pas besoin de désigner 28 ans. Fait qu'on va juste améliorer ça. Tout le reste demeure pareil. Tout le reste demeure pareil. Je vais juste modérer un petit peu ici mes années de désignation. Donc, sur ma maison, au numérateur, je vais faire 1 plus 27 années de désignation. Ce qui va me donner une pleine exemption quand même sur ma résidence. Et dans le fond, ça va me donner une année de plus disponible pour le chalet. Donc, quand j'arrive pour mon exemption sur mon chalet, au numérateur, j'ai 1 plus. Maintenant, je peux aller me chercher 2 années, 2016 puis 2017. Donc, je vais avoir 2 années de désignation pour un numérateur de 3. Fait que c'est un petit peu mieux. C'est pas que la... Donc, j'ai cette fois-ci 9 000 d'exemption. Mon gain baisse un petit peu. 24 000 au lieu de 27, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Et si on priorisait le chalet? Si on exemptait au complet le chalet? Puis qu'on assumait le gain restant sur la résidence. Le contraire. Là, en ce moment, on a exempté au complet la résidence, puis on va assumer le gain restant sur le chalet. Si on faisait l'inverse, on fait tout pour exempter le chalet, puis on assumera ce qui restera sur la résidence. Allons voir. Donc maintenant, je vais commencer par exempter le chalet. Donc 33 000 de gain fois une fraction au dénominateur 11 ans de propriété. Au numérateur, une année gratuite et je vais désigner 10 années. Les 10 dernières, peu importe lesquelles, mais je vais prendre celle-là ici. Donc de 2008, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 dernières années, je vais dire que c'est le chalet qui était ma résidence principale. Donc, j'ai une pleine exemption sur mon chalet, puis j'ai pas de gain, j'aurai pas de gain en vendant mon chalet. Qu'est-ce qui va arriver sur la vente de ma résidence? Allons voir. Donc, si tu vends une résidence avec un gain de 56 000 fois une fraction au dénominateur 28 ans de détention, au numérateur une année gratuite plus, je vais te poser 28 fois la même question. Réponds-moi. En 89, quelle maison est ta résidence principale? Évidemment, la résidence en ville. En 90, même chose, même chose, même chose. Même chose. En 2007, quelle était ta résidence principale? La résidence en ville. En 2008, quelle était ta résidence principale? Tu ne peux plus me dire résidence. Tu m'as dit chalet. Fait que 2008, on ne peut pas la prendre pour la résidence. On l'a pris pour le chalet. Et 2009 et suivantes aussi. Donc, des années de désignation sur ma résidence, il m'en reste 19. Donc, ça me donne un numérateur de 20, ce qui me permet d'exempter 20 28e de mon gain, pour un total de 16 000. En conclusion, c'est le meilleur scénario. Pour une famille qui veut réduire le plus possible ses gains capital sur l'ensemble de ses résidences, il serait beaucoup plus efficace
de prioriser le chalet et de s'assurer de faire aucun gain capital sur le chalet et d'assumer le gain capital restant sur la résidence qui s'élève seulement à 16 000 par rapport à 24 000 dans le scénario précédent. Oui. Oui, on peut choisir. Si on est propriétaire de deux maisons, les deux sont éligibles comme étant une résidence principale. C'est à nous de choisir laquelle on veut, aux fins fiscales, qu'il soit traité comme ça. Non, 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 l'adresse n'a aucune importance. Pour qu'une maison se qualifie de résidence principale, il faut juste qu'elle soit disponible pour la famille. Il ne faut pas qu'elle soit louée. Mais sûr que, c'est bien sûr que si le chalet, vous le louez, oubliez ça, c'est plus admissible comme résidence principale. Mais si ça reste disponible, la famille y va de temps en temps, puis que ce n'est pas loué, l'actif est admissible. Donc, en conclusion, là, vous comprenez qu'on est allé à tâtons. Il ne faut pas faire ça, aller à tâtons. C'est trop long. Imaginez quand on a trois puis quatre résidences. Comment on fait pour trouver l'ordre, là? La 2 en premier, la 3, la 1, la 4, ça finirait plus les options. Fait qu'on revient en arrière. Au début du problème, j'aurais été capable de savoir que le scénario 3 était l'optimal. Inutile de perdre mon temps dans le scénario 1 et 2, je le savais d'entrée de jeu qu'ils ne seraient pas optimaux, ces scénarios-là, qu'ils ne seraient pas optimales. Pourquoi? Au début du problème, il faut calculer un indice. L'indice, ça s'appelle le gain en capital par année de propriété. Plus cet indice-là est élevé, plus vous devez prioriser la résidence. Donc, si je regarde sur ma résidence, celle qui est en ville, je fais un gain en capital de 50 000 piastres, 56 000 $ pardon, ici, là, dans les bulles. Ma résidence, ici, je fais 56 000 de gains sur 28 ans. C'est un indice de 2 000. Sur le chalet, je fais 33 000 de gains sur 11 ans. C'est un indice de 3 000. C'est réglé. En partant, je savais que le chalet était plus payant à exempter à cause de cet indice-là. Inutile de passer sur les scénarios 1 et 2, c'était voué à être moins intéressant. Donc, vous cherchez votre fameux gain capital par année de propriété. Plus il est élevé sur une résidence, plus il faut la prioriser. C'est purement mathématique. Une année de désignation placée sur le chalet me fait sauver 3 000 $. La même année de désignation sur la résidence m'en fait sauver 2. C'est purement mathématique. Donc, une année de désignation, c'est plus payant sur le chalet que sur la résidence. Est-ce qu'il y a des questions? L'exemption de résidence principale. Comment optimiser si je suis propriétaire de plusieurs résidences? Ça va? Gênez-vous pas? OK, alors particularité suivante, je vous parle des changements d'usage. Je vous fais un rappel, quand on achète une immobilisation, il y a deux usages possibles. C'est mutuellement exclusif. Là, soit tu achètes une immobilisation pour gagner du revenu, soit tu achètes une immobilisation dans le but de l'utiliser à des fins personnelles. C'est ce qu'on appelle un BUP. Je vais vous montrer ça dans un petit graphique qu'on a déjà vu en fiscalité 1. Peut-être que vous allez vous rappeler. Les petits carrés à droite, là. Donc, si j'achète un bien qui est utilisé dans le but de gagner du revenu, on va le classer ici, dans la grosse boîte. Alors que si j'achète une immobilisation dans le but de m'en servir à des fins personnelles, donc un BUP, on va plutôt le mettre dans l'autre sous-ensemble, dans le sous-ensemble des biens usage personnel. Donc, juste vous donner un exemple. Si McDonald's achète un grille-pain, cette immobilisation-là, pour McDonald's, c'est une immobilisation acquise dans le but de gagner du revenu. Alors que moi, si j'achète le même grille-pain, pour moi, le grille-pain, c'est un BUP. Vous voyez, le même actif. Pareil, pour un, c'est une immobilisation générale qui est utilisée pour fin de gagner du revenu, puis pour l'autre, c'est utilisé à des fins personnelles. On achète le même grille-pain. Quand on achète une McDonald's, qu'est-ce qu'il peut faire avec son grille-pain? Il peut l'amortir, parce qu'il est utilisé pour des fins de génération de revenus. Il peut prendre une DPA sur son grille-pain. Puis, s'il devait faire une perte en capital en vendant l'actif, elle serait admise, la perte en capital. Le grille-pain, ce n'est pas un bon exemple parce que c'est un bien amortissable puis on n'a pas de perte en capital sur des biens amortissables. Mais admettons que ce soit un terrain ou un autre actif où il y a des pertes en capital, elle serait allouée, la perte en capital.
À l'inverse, le grille-pain, pour moi, je peux-tu l'amortir? Moi, je n'amortis pas mon grille-pain, hein, je ne suis pas pour vous, là. On ne peut pas l'amortir, c'est pas générateur de revenus. Puis qu'est-ce qui arrive quand on vend un BUP à perte? Pas de perte en capital. Qu'il soit amortissable ou pas, jamais de perte en capital sur un BUP. Ça, c'est des règles que vous connaissez déjà. Ça relève de fiscalité 1. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça. Se pourrait-il que j'achète une immobilisation et que je m'en serve pour gagner du revenu et que tranquillement son usage change et que je commence plutôt à l'utiliser à des fins personnelles? Ou l'inverse, j'achète un actif que je me sers à des fins personnelles pendant quelques années, puis là, ça glisse tout d'un coup de l'autre côté, puis ça devient générateur de revenus. C'est ça, un changement d'usage. Un changement d'usage, c'est de constater qu'une immobilisation est en train de glisser vers l'autre usage. Aux fins fiscales, lorsqu'il y a changement d'usage, il y a disposition. Donc, les conséquences fiscales sont très importantes d'un changement d'usage. Lorsqu'un bien change d'usage aux fins fiscales, on fait semblant que ce bien-là, tu te le vends de toi à toi pour un produit de disposition fictif égal à la juste valeur marchande. Donc, aux fins fiscales, un changement d'usage, c'est une vente, c'est une disposition. Donc, déclenchement d'un gain capital et ainsi de suite. Je pense à mon pauvre monsieur qui a un chalet qu'il a acheté à l'époque pas trop cher, 55 000. Le chalet vaut 150 000 aujourd'hui. Il a toujours habité avec sa famille. Puis là, tout d'un coup, il ne veut pas mal faire, le monsieur, là. Tout d'un coup, il se dit, bof, je vais commencer à le louer. Fait que cesse de l'occuper personnellement, puis commence à attirer des revenus en le louant. Mais ce chalet-là, je m'excuse, mais il vient de subir un changement d'usage. Il était à usage personnel, il est devenu à usage générateur de revenus. Je ne sais pas s'il sait, mon monsieur, là, mais aux fins fiscales, il vient de vendre son chalet. Ben non, je ne l'ai pas vendu, je ne suis pas allé chez le notaire. Non, je sais que tu ne l'as pas vendu pour vrai. Mais aux fins fiscales, c'est comme si tu viens de vendre ce chalet-là 150 000 et tu viens de le racheter la seconde d'après pour 150 000 aussi. Et ça se peut que ça te déclenche un immense gain capital puis de l'impôt à payer aussi. Donc, c'est ça les conséquences d'un changement d'usage. Je vous donne un exemple avec des chiffres. C'est justement ça l'exemple qu'on a, si je ne me trompe pas, d'une personne qui a un chalet. Un chalet qui a été acheté à l'époque pas trop cher, qui vaut aujourd'hui 145 000 et qui change d'usage. Bien, au moment du changement d'usage, on fait semblant que tu vends ton chalet pour 145 000. Il y aura 90 000 de gains capital. Et la seconde d'après, on fait semblant que tu t'achètes un chalet locatif pour le même prix. Donc, lorsqu'on fait semblant que tu vends ton chalet à usage personnel, tu as droit au traitement fiscal des ventes des biens personnels. Entre autres, ce gain-là, tu pourrais peut-être l'exempter avec l'exemption de résidence principale qu'on vient de voir. Si tu veux prendre ton chalet et le désigner comme résidence principale, tu peux le faire. C'est un bien personnel. Mais tu l'as vraiment vendu aux fins fiscales. Et tu viens de t'acheter, la seconde d'après, un chalet commercial. Donc, tu viens de t'acheter un chalet commercial à 145 000. Donc, tu vas pouvoir l'amortir. Ton 145 000, tu le mets en catégorie 1. Tu te prends 10 % d'amortissement là. Ben, peut-être pas 10, là. On est dans le résidentiel. Tu prendrais 4 % d'amortissement là-dessus. T'es maintenant avec un actif qui est générateur de revenus. Tout ça, c'est fait dans un monde de fiction, vous comprenez, mais c'est quand même vrai. Au fin fiscal, c'est quand même arrivé. Puis, c'est des conséquences assez importantes. Vous êtes capable de le voir par vous-même. Donc, voilà pour le changement d'usage. Il faut être au fait de ça. Ça peut être un petit peu trade comme conséquence, parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose quand on convertit un actif d'un usage à l'autre. Mais au fin fiscal, c'est que la même chose que si vous l'aviez vendu. Des questions là-dessus? Pas très compliqué. Il me reste deux points pour terminer avec vous. Transaction sur des options. Donc, je vais vous montrer le traitement fiscal au niveau des investisseurs qui décident de transiger sur des options. On en a parlé un petit peu des options d'achat d'actions tout à l'heure, mais dans un contexte de revenu d'emploi. Quand mon employeur me donne une option d'achat d'actions puis que je m'enrichis avec ça, c'est du revenu d'emploi. Vous l'avez vu, puis il y a un ajustement qui doit se faire sur mon PBR. C'est pas de ça dont je vous parle maintenant. On parle encore des options, mais cette fois-ci, on en parle du côté des investisseurs.
Moi, je suis un investisseur, j'achète des titres à la bourse, je peux m'acheter des actions à la bourse, je peux m'acheter des obligations à la bourse, je peux m'acheter des devises à la bourse, je peux acheter n'importe quoi à la bourse, des céréales, du pétrole, du carburant, et je peux acheter des options aussi. Des options d'achat, des options de vente sur n'importe quel genre de bien. Bref, c'est une option, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un bout de papier. Donc, quand j'achète l'option, j'ai le droit de faire quelque chose avec cette option-là. Donc, par exemple, acheter un bien à 30 $ avant telle date, soit l'expiration de l'option. Je ne veux pas tant vous parler du produit financier, parce que même moi, je ne suis pas un expert en finance. Nous, on va plutôt essayer de comprendre les conséquences fiscales reliées à ça. Voyez la ligne de temps. Il y a trois moments importants dans la vie d'une option. Premièrement, c'est l'acquisition. Donc, quand j'achète une option, c'est comme si j'achetais un autre placement, j'ai un PBR pour ça. Donc, Maxime ou Steven, peu importe, va acheter mes options. Donc, toi, tu achètes ces options-là, 400 $. Donc, voilà, il y a un placement, une option, il l'a dans ses mains, puis il l'a payé 400 $. Donc, il a un PBR de 400 $. Qu'est-ce qui peut arriver avec ces options-là pour Maxime ou Steven? Dis-moi le don. Maxime. Qu'est-ce qui peut arriver pour Maxime? Trois choses. Première chose, Maxime peut les. Je vais-tu finir? Ouais, Maxime pourrait les exercer. Exercer l'option, c'est de se prévaloir du privilège qui est écrit là-dessus. Donc, il vient d'acheter des options. Qu'est-ce qui est écrit sur ton option? T'as-tu remarqué? Donne le droit d'acheter des actions à 30 $. C'est ça, hein? Bon, il a le droit d'acheter des actions à 30 $. Va-t-il le faire? Va-t-il pas le faire? Ça dépend du cours de l'action. Maxime, là, il espère que l'action monte, 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 puis là, il va dire, moi, je peux acheter à 30. C'est là que ça va être payant. Comme de fait, l'action monte, 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 donc ça devient intéressant pour toi. Donc, Maxime va exercer son option. Qu'est-ce qu'on fait quand on exerce une option? Donc, il faut encore que tu sortes de l'argent, Maxime. Tu viens de sortir 400 piastres. Hein? Il est où mon 400 piastres? Hein? Maxime, il vient de me donner 400 piastres. Tu n'as pas fini, Maxime. Sors 30 piastres par action maintenant. Donc, il me donne 30 piastres par action. Il perd son option. On enlève ça. Et maintenant, je lui donne des actions. Il vient d'acheter des actions d'Apple. Donc, Maxime, en exerçant l'option, est devenu propriétaire d'actions. Ça lui a coûté deux affaires. Ça lui a coûté l'achat du bout de papier, qui a payé 4 piastres, là, je pense, dans mon exemple, qui s'en vient. Il a acheté un petit bout de papier, puis il a repayé une deuxième fois pour avoir l'action. Au moment de l'exercice, on n'impose pas Maxime. On va attendre qu'il revende les actions. Lorsqu'il va revendre les actions d'Apple, les deux prix qu'il a payés vont s'additionner puis vont devenir le PBR des actions sur Apple. Ou dit autrement, le PBR que cette option-là avait, puisqu'il l'a exercé, se transfère sur le PBR des actions. Il vient augmenter le PBR des actions. On va le voir avec des chiffres, ça va être plus facile. On revient en arrière, il n'exerce pas. Qu'est-ce qui peut arriver avec le cours d'Apple? Si ce n'est pas ça, c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec ses options si, contre ce qu'il avait anticipé, l'action chute à 30, 29, 28, 27? Qu'est-ce que tu fais avec une option qui donne le droit d'acheter à 30 piastres quand le marché est rendu à 27? Tu dis-tu, je vais exercer? Eh boy, tu dis, j'aurais jamais dû faire ça, hein, si tu as acheté ce bout de papier-là, tu as perdu ton pari. Fait que ça se peut qu'il n'exerce jamais l'option et qu'elle arrive à expiration. Donc, la deuxième finalité, c'est l'expiration. Quelqu'un peut tout simplement dire, je pensais réussir mon coup, j'ai pas réussi, puis il fait rien avec son bout de papier tellement le cours a baissé. Troisième finalité, il peut le revendre. Admettons que l'action monte, 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 34, 35, 36, ça devient intéressant d'exercer. Mais admettons qu'il n'y a pas les liquidités, Maxime. Hey, ça serait vraiment intéressant, là, j'ai une belle option à 30$, mais il n'y a pas les liquidités. Tu ne l'as pas le 30$ par action à me donner. Donc, tu pourrais prendre ton option, de moi là, la vendre à quelqu'un d'autre. À Steven, là, qui n'est pas ton frère. Disons. Il ne faut pas que ce soit entre des frères, bien sûr. Fait que là, Steven achète à Maxime l'option à 33$. Ben, il va faire un gain capital de 3$. Fois les 100 options qu'il avait peut-être. Donc, c'est ça les trois possibilités. La revente de l'option étant la troisième. On va aller voir ça avec des chiffres. Donc, la revente de l'option ici. Donc, si on regarde ça avec des chiffres, on a une option qui est transigé 4 $, un bout de papier qui est transigé 4 $, on en transige 100 options. On achète 100. Monsieur Fréchette. Donc, Monsieur Fréchette, il va payer 400 $ pour des options. Qu'est-ce qui est écrit sur l'option? Il y a toujours trois choses décrites sur une option. Toujours trois. Première chose, c'est quoi?
Qu'est-ce que tu peux acheter avec l'option? 100 actions ordinaires de RTX. Deuxièmement, à quelle date? C'est quoi l'échéance? Jusqu'au 1er juillet. Troisième information, à quel prix? 30$ l'action. Donc voilà, M. Fréchette, on recommence notre scénario, Maxime. Fait que M. Fréchette va me donner 400$ pour ce bout de papier-là. Ou si vous préférez 4$ fois 100 bouts de papier, 400$ au total. Je l'ai dans mes mains. Donc, voilà. Trois scénarios possibles, on l'a dit. On commence par les plus faciles, OK? On va commencer par C, après B, après A. C, le cours de l'action monte, et ça devient intéressant. Donc, on présume que le cours de l'action monte au-dessus de 34, parce que je vous rappelle qu'il vient de payer 4$ pour acheter à 30. Donc, on présume que le cours est à peu près à 34$, à peu près. Admettons que ça monte. Fait que là, la monnaie va dire « Wow, j'ai bien fait d'acheter ça, c'est intéressant. » Mais il n'y a pas les liquidités. Fait qu'il va vendre à son voisin l'option pour 4,50. Donc, scénario C, M. Fréchette vend un bout de papier 450, il l'avait payé 400. Donc, vous retrouvez là un gain capital. On tourne en arrière. Deuxième scénario, plus pessimiste. Le contraire, put. Le prix de l'action de RTX descend à 28, 27, 26$. Il va se dire, j'aurais jamais dû acheter ça. Mais c'est ça la vie d'investisseur. Des fois, on gagne, des fois, on gagne pas. Là, tu n'as pas fait un bon coup, je te le dis. Fait qu'il n'ira pas dire qu'il veut une option qui donne le droit d'acheter à 30. Personne ne va t'acheter ça. Puis, exerce-le pas non plus. Tu es bien mieux d'acheter sur le marché à 28 que d'utiliser ton privilège d'acheter à 30 qui n'en est plus aujourd'hui. Donc, tu vas garder ton option jusqu'à expiration. Une option qui expire, c'est une option que tu disposes pour zéro. Donc, quand une option arrive à expiration, on l'a disposée aux fins fiscales. On est réputé en avoir disposé pour zéro. On l'avait payé 400. Perte en capital. Ça arrive quand on est investisseur. Troisième finalité. L'action monte, puis tu décides d'exercer cette option-là. Donc, pour exercer l'option et devenir propriétaire des actions, tu viens de me donner 400$, mais c'est pas assez. Il va falloir que tu ressortes de l'argent de ta poche. Il va falloir que tu me donnes 30$ par action fois 100. 3000. As-tu 3000 de liquidité? Oui, il me le donne. 3000. L'option disparaît et il est maintenant propriétaire d'actions. Combien il les a payées, ces actions-là? 400$ pour le bout de papier, 3000$ pour les actions. 3004. Donc, le PBR des actions, c'est la somme des deux décaissements qu'il a fait. Donc, le 400$ qu'il a fait pour le bout de papier, plus le 3000$ qu'il vient de faire pour acheter les actions, ça devient son PBR dans ses actions. Donc, 3004. S'il revend les actions plus tard, 3005, on aura notre base pour calculer notre gain capital. Donc, on aura ici 100$ de gain capital. Tout est à moi, finalement. Des questions? C'est compliqué, les options. C'est compliqué. L'aspect financier est souvent très méconnu. Comme je vous dis, même moi, je ne m'avancerais pas. Je serais gêné devant un prof de finance d'expliquer c'est quoi une option. Là, je contrôle pas tous les... Je maîtrise pas, puis vous non plus, je pense, tous les détails de ces aspects financiers-là. Mais au fin fiscal, on n'a pas besoin de tout maîtriser ça. Il faut juste comprendre. On peut ramener ça à trois possibilités. Vous pouvez peut-être mettre ça sur votre feuille d'annotation. Le point de départ quand tu achètes l'option, les trois scénarios possibles et les conséquences qui sont reliées à ces trois scénarios-là. OK, dernier point, si je vous propose, si vous avez des questions, vous me le dites. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, on s'en va à notre dernier point, qui est 4.7. On va se parler de transactions en devises étrangères. Ne partez pas en peur, c'est pas compliqué. Donc, dernier élément dont je vais vous parler, qui touche les investisseurs, ce sont les transactions qui sont réalisées en devises étrangères. Donc, vous comprenez que si vous êtes un investisseur et que vous faites des achats de titres sur une bourse au Canada, il n'y en aura pas de transactions en devises étrangères parce que vous allez acheter vos titres en dollars canadiens, vous allez les revendre en dollars canadiens. Mais comme investisseur, vous êtes aussi libre d'aller sur les autres marchés. Et si vous allez faire des transactions sur d'autres marchés et donc dans d'autres devises,
assurément que vous allez vous enrichir ou vous appauvrir juste avec la variation de devise. Dès qu'on se met à échanger de la devise canadienne contre la devise étrangère, pendant un certain nombre de temps, nécessairement, il y a un enrichissement ou un appauvrissement qui va avoir lieu juste au fait qu'on a joué avec des devises. Si vous ne me croyez pas, allez prendre 100 piastres US à la banque un matin, puis allez le reporter dans une semaine. Puis ça ne balancera pas. Il va en avoir un peu plus ou un peu moins. Évidemment, le cours de la devise change continuellement. Donc, pour ceux qui transigent dans d'autres devises que le Canada, ils vont vivre ces situations-là. Aux fins fiscales, si tu transiges dans une devise étrangère, tu vas devoir convertir tous tes attributs fiscaux en dollars canadiens. Donc, moi, quand tu achètes si tu achètes une action en dollars américains, au fin fiscal, c'est pas pertinent cette information-là en dollars américains. Je dois la connaître en dollars canadiens. Donc, chaque transaction que tu fais en devise américaine va devoir être convertie la journée même en dollars canadiens pour être capable de savoir c'est quoi ton PBR en dollars canadiens. Et quand tu vends, c'est la même chose. Quand tu vends en dollars américains puis que tu encaisses de l'argent en dollars américains, tu dois convertir cette transaction-là la journée même pour être capable d'établir ton produit de disposition. Donc, tous tes attributs fiscaux, on souhaite les avoir en dollars canadiens. Et conséquemment, tu dois les convertir, toi, à chaque jour où tu transiges, ouais, à chaque jour qui est concerné par une transaction. Avant d'aller à l'exemple, la dernière question qu'on peut se poser, c'est si on dénote qu'il y a un gain ou une perte en transigeant en devise étrangère, ça va être quoi la nature de ce gain-là ou de cette perte-là? Est-ce que ça va être une nature gain en capital ou une nature qui va affecter le revenu d'entreprise, par exemple? Vous vous rappelez les différents choix? Bien, en réalité, là, c'est comme un caméléon, si vous voulez. Elle n'a pas vraiment de nature propre à elle, la transaction en devise. Elle va plus imiter la nature du bien que tu transiges. Donc, c'est quoi que tu transiges en devise étrangère comme ça? Si tu me dis que c'est des actions que tu transiges, ben je vais te poser la question. Pour toi, des actions, qu'est-ce que ça génère comme conséquences fiscales, des ventes d'actions? Toi, tu me dis du gain en capital, ben donc ton gain ou ta perte en devise étrangère, qui est relié à ta transaction sur action, va aussi générer du gain en capital. Donc, la nature du gain ou de la perte dépend de la nature du bien qui est transigé. Si je pose la même question à un courtier, toi, tu vends des actions en devise étrangère, tes ventes d'actions, habituellement, tu les traites comment? Bien, lui, il va me dire, moi, c'est du revenu d'entreprise, c'est ma business de vendre des actions. Bien, si pour toi, une vente d'actions, c'est du revenu d'entreprise, ton gain et perte sur devise aussi va être du revenu d'entreprise. Ça colle. Le gain ou perte sur devise a la même nature que le bien qui est transigé en devise. Donc, je vous montre quatre petits exemples qui sont, somme toute, assez simples. L'exemple 1 et l'exemple 2 sont tout à fait identiques. Ils donnent le même résultat. Regardez, dans tous les cas, ça donne 40 000, pas 40 000, mais 40 $ de profit. C'est juste que l'exemple 1, on transige un bien en immobilisation et dans l'exemple 2, on transige un bien en inventaire. Donc, la nature va changer, mais les calculs ne changeront pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon premier exemple? J'achète des actions US le 10 octobre, 2000 $ américains, et je vais les revendre un mois plus tard, 2000 $ américains. Tout le monde voit ça? Le 10 octobre, je m'achète des actions à la bourse de New York, ça me coûte 2000 américains. Un mois plus tard, je revends les mêmes actions à la bourse de New York, j'encaisse 2000 américains. Pensez-vous que dans cette transaction-là, je me suis enrichi, appauvri ou rien du tout? Ben, vous allez me dire, ça dépend, mais oui, tu t'es enrichi, c'est sûr. En transigeant en devise étrangère pendant un mois, c'est sûr qu'il y a eu une variation de devise pendant ce mois-là, c'est sûr. Donc, faut faire même si l'action elle-même ne m'a pas permis de m'enrichir ou de m'appauvrir, ça je vous l'accorde, le 2000 est resté 2000, la devise, elle, va m'enrichir ou m'appauvrir, la variation de devise. Donc, si je convertis mon achat en dollars canadiens, je vais aller chercher le taux de conversion en date du 10 octobre, hypothétique, ça va me donner 2680. Ça, c'est mon PBR. Un mois plus tard, je vends les actions. Je vais aller chercher mon taux de conversion le 10 novembre, encore une fois, hypothétique, 2720. Bien, 2720 moins 2680, en un mois, vous êtes enrichi de 40$. Et ce n'est pas les actions qui vous ont enrichi. Vous le voyez comme moi. C'est la devise. C'est la variation de devise. La variation de devise a été à votre avantage pendant un mois. L'exemple 2, c'est la même chose, mais je transige un inventaire. Donc, le 40 $ va être du revenu d'entreprise
Parce qu'un inventaire, ça génère du revenu d'entreprise. Scénario 3, ça se ressemble beaucoup. C'est à peu près les mêmes chiffres. Qu'est-ce qui a changé? L'action a pris de la valeur. Les taux de change n'ont pas changé. Donc, j'achète une action 2 000 $ américains, je la revends 3 000 américains. Les taux de change sont encore à ma faveur. 1,33 à l'achat, 1,36 à la vente. Donc, mon PBR est de 2 680. Mon prix de vente converti en dollars canadiens, 4 080. Donc, je me suis, dans cette opération-là, je me suis enrichi, tout le monde le voit, de 1 400 $. Donc, j'ai 1 400 $ de gain capital ou 1 400 $ de revenu d'entreprise, dépendamment de la nature de ce que je transige. La bulle n'est pas importante. On n'a pas besoin de comprendre de quoi il est composé, mon enrichissement. Dans ce cas, mais le but, c'est de s'enrichir de s'imposer sur le total de mon enrichissement, dans ce cas-ci, 1 400 $. Mais on parle pour parler, là. Vous pouvez me dire les deux. Est-ce que tout le monde voit les deux choses qui m'ont enrichi? Une part de mon enrichissement est due au fait que mon action a pris de la valeur. Je l'avais acheté 2 000 américains et passé à 3 000 américains. Et une autre partie de mon enrichissement est due à la devise. Dans ce cas-ci, les deux vont dans le même sens. Des fois, ça peut être un va dans un sens, l'autre va dans l'autre sens. Tu peux vendre des actions US 3 000, les avoir payées 2 000, faire une perte en capital. Vous voyez comment? Je répète, tu peux avoir acheté des actions 2 000 US, les revendre 3 000 US, puis faire une perte en capital. Est-ce que tout le monde voit ça? Si j'ai à l'inverse, des taux de change qui sont nettement à mon désavantage, puis qui soient supérieurs au petit gain que j'ai fait sur la vente d'actions, je pourrais même arriver à perdre. Bon, on parle pour parler, là. Ça, c'est la bulle, là, qui dit réfléchissons à comment ça fonctionne. Une fois qu'on a réfléchi, on referme la bulle, puis on fait nos calculs bêtement comme ça, puis on ne peut pas se tromper. Mais des fois, les clients, ils aiment ça jaser avec leur comptable, puis dire, peux-tu m'expliquer, moi, comme il vient d'où, ce 1 400 $-là? Ben, c'est le fun d'être capable d'expliquer les provenances. Ou si un client te dit, peux-tu m'expliquer pourquoi je fais une perte en capital quand j'achète une action 2 000 puis je la revends 3 000, c'est le fun d'être capable d'expliquer. Parce que c'est le genre de bonne question. Bonne question. J'avoue que ça frappe l'imaginaire, mais ça s'explique. C'est pour ça que je veux vous amener à réfléchir, même si ça dépasse notre simple calcul qui en soi est assez simple. S'il n'y a pas de questions, je vous dis merci de votre attention. Je vous donne une quinzaine de, je vais vous donner 20 minutes de pause parce que vous êtes au retour de la relâche. On se redonne rendez-vous à 55, s'il vous plaît. J'ai un beau problème à vous soumettre où vous allez avoir la chance de mettre tout ça en application. Ceux que j'ai nommés tout à l'heure, il faudrait venir me voir, s'il vous plaît, concernant la clinique d'impôt.